à la fois c'est des personnages qui sont différents mais en même temps complémentaires. Et il y a quelque chose un petit peu dans la dualité qui est de l'ordre de Platon et Aristote, avec Esther qui pour moi est plus dans le monde des idées, et avec du coup un regard vers plus spirituel, mystique, et Judith qui par certains côtés est plus pragmatique, et qui quelque part, enfin, voilà, c'est un petit peu celle, c'est un peu la femme soldat, celle qui met les mains dans le conduit. Il faut du courage, bien sûr, mais aussi l'audace et la ruse sont les armes dans la lutte du faible au fort. Et il y a dans le destin, dans l'action de ces deux femmes, l'audace et la ruse au sens de la ruse de l'intelligence. Aussi qu'il y a dans cette démarche des résonances, et c'est aussi ça bien sûr qui me touche et qui touche certainement beaucoup d'autres, des résonances avec des thèmes qui moi me tiennent fort à cœur, qui sont d'une part les vertus du déplacement comme mouvement créateur, et c'est vrai dans la pensée, c'est vrai dans la musique, Et au fond, ce qui va avec aussi le goût iconoclaste des mélanges. Son bras, après,